êtes tombé amoureux de ma région natale au final. Voilà. Vous en avez fait un jeu de mots avec des t-shirts. Voilà, sur les différentes régions, les Cévennes, les fêtes votives, les arènes, effectivement, sur la région. Bonsoir, bonsoir. Il y a un vendeur. On dirait qu'il a des t-shirts assez sympas. On va lui parler. On va voir un petit peu s'il peut nous parler un peu plus de cet événement. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi cet événement exactement? Ici vous êtes aux arènes du ZES. Et ce soir il y a ce qu'on appelle un taureau piscine dans la région. Donc un intervillage, des équipes qui s'affrontent autour d'épreuves de force, de réflexion et surtout avec les taureaux dans l'arène. Voilà. Excellent. Et justement, je remarquais en rentrant des t-shirts vraiment très sympas avec des petits mots sympas. Effectivement, donc moi je me suis associé à l'événement. En fait, je suis du Gard à côté d'un village de Remoulins et j'ai créé une marque de t-shirts qui s'appelle Vaudou. Que des jeux de mots sur la culture du Gard. Donc on a des expressions, on a des jeux de mots sur les arènes, l'arène de cœur par exemple, ou les fêtes votives, comme le t-shirt que je porte aujourd'hui. Donc j'ai créé ça au mois de novembre l'année dernière, histoire de sortir de cette période de Covid et de faire un peu sourire les gens. Et puis maintenant je participe aux événements pour faire connaître la marque, essayer de vendre mes t-shirts. J'ai aussi un site internet et ça participe en fait à promouvoir la culture du Gard ici, mais au-delà de nos frontières régionales. Voilà. Bon, les fêtes votives, celui que j'ai sur moi. Donc, les fêtes votives, c'est des fêtes de village qui rassemblent les villageois et des vachettes qui sont lâchées dans les rues. Il y a différents types d'activités, abrivada, on court après les taureaux, voilà, et tout le monde voit ce qui se passe. Il y a aussi la culture des manades, donc ceux qui gèrent les taureaux et qui vont diriger les taureaux dans les rues avec des chevaux, par exemple. C'est très joli à voir. À Remoulins, on a le gardon, ils font traverser le taureau avec les chevaux. Donc il y a toutes les techniques d'organisation à ce niveau-là. Et les fêtes votives, c'est toujours après, très festif. Il y a des concerts, les jeunes font la fête et on les attend. Et depuis 2 ans, on ne pouvait pas les faire et aujourd'hui, on va pouvoir les faire. Ah, excellent. Donc, voilà. Et donc d'où l'expression. D'où l'expression. Alors, est-ce qu'il y en a une autre que tu pourrais partager? Après, il y a Je te bisque, c'est un t-shirt. Bisquer, c'est... Bisquer, c'est taquiner en fait. Bisque, bisquerage, on dit ça aux petits. C'est un cafetier à Nîmes qui un jour, parce que moi je ne suis pas de la région, je suis du nord de la France, je suis arrivé dans le Gard il y a quelques années. Et c'est un cafetier à Nîmes qui a rendu la monnaie à une de mes filles. Et elle lui a rendu le billet, il l'a repris, il l'a retenu et elle ne savait plus quoi faire. Il a dit « je te bisque ». Et je lui ai dit « mais ça veut dire quoi ?» Il m'a expliqué « c'est je te taquine ». Et donc du coup, j'ai fait un t-shirt avec le homard, la bisque de homard, pour faire le jeu de mots. Et je fais un t-shirt « je te bisque ». Voilà. J'adore. Un t-shirt sur la brandade parce que je voulais aussi un t-shirt sur les aliments, en fait, la gastronomie locale. Et donc la brandade, j'ai fait un t-shirt « best friend forever ». Mais là, c'est « brandad friends forever ». Voilà. Et donc, on prend comme un steak, une pièce de bœuf qu'on va découper. Ben là, c'est le poisson, mais c'est brandade de partout parce qu'ici, on aime la brandade. Ah, voilà. C'est excellent ça. Et oui. Et la brandade, c'est quoi exactement? Donc, la brandade, c'est fait à base de poisson, de morue, d'accord? Et c'est une crème. C'est une spécialité nîmoise à la base. Et c'est une crème de poisson et que l'on mange sur du pain, des toasts, à l'apéro. On en fait des pâtés, on en fait plein de choses. Quoi. Ah, voilà. C'est très bien ça. J'ai essayé de faire un t-shirt Lifeguard américain. Ah oui. Donc la croix rouge avec marqué Lifeguard. Ici, on a eu les alertes à Malibu. Quand en France, on a tous ces... voilà. Et là, j'ai fait Life Guardian, les gardiens de taureaux, donc pour les manades. Les manades qui gèrent les taureaux ici dans la région. Avec la croix d'Occitanie pour être fier de porter les couleurs d'Occitanie sur le Gard. Voilà. J'adore. J'ai fait beaucoup de parallèles aussi avec ma région de cœur, ma région natale, le Nord, puisqu'il y a beaucoup d'événements aussi dans le Nord, des fêtes dans le Nord. Les carnavals de Dunkerque par exemple, et on a les fêtes votives. En termes de gastronomie, ici vous avez la fougasse à aigues mortes, une fougasse sucrée. Dans le Nord, il y a la tarte au sucre. Donc il y a beaucoup de choses, il y a la gardiane de taureau, dans le Nord il y a la carbonate de flamande. Donc je me suis dit, tiens, il y a des parallèles à faire. Oui. Et j'avais des amis qui avaient fait des t-shirts pour mettre en valeur la culture du Nord. Et j'ai dit, tiens, je vais faire, j'avais un peu de temps l'année dernière, j'avais deux mois avec le Covid en un peu de pause et j'ai fait cette petite marque de t-shirt. Voilà. C'est excellent, je trouve ça très très bien, ce jeu de mots et c'est très bien. Voilà, donc c'est la marque, c'est Vaudou.
un petit veau doux. Comme, et du coup, donc, en dehors des événements tels que celui-ci, peut-être des festivals ou marchés ou voilà, marché nocturne, festival, fête. C'est quoi le site web où justement eh bien, j'ai une petite carte. Donc, le site, c'est www.vaudou.fr. Excellent, d'accord. Et là, vous retrouvez l'histoire des t-shirts. Et en plus, il est bio, le coton. Et le coton est bio, 180 grammes. Et on achète les t-shirts dans une marque belge, qui est un leader mondial et qui fait du t-shirt, fair trade. Donc, ah oui, les personnes qui récoltent le coton en Inde et ceux qui confectionnent au Bangladesh, ils sont très bien traités dans des usines où toutes les normes sont respectées. Donc, ça, c'est génial. Ça, moi, je l'ai mis en avant sur le site. Donc, t-shirts de bonne qualité, bonne épaisseur, qui vont durer dans le temps. Et c'est ce que je voulais faire. Quelque chose qui ressemble au gars des gens de tradition qui aiment les bonnes choses, les belles choses. Voilà. J'adore, vraiment c'est super. Ah, merci et puis peut-être qu'on se verra à l'événement. Voilà, profitez bien, allez voir les taureaux et l'événement. Il va y avoir de belles choses ce soir parce qu'il y a une belle prime de 1500 euros. Donc ça va ramener du monde. Ah bah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, au plaisir, au revoir.